I would like to remind us that yesterday it was another 30 years anniversary, which was the meeting between Bush and Gorbachev in Malta, and very probably this meeting was also a very important factor for the change in Central Europe, because we have not the documents, there was nothing written, but we know from rumors that it was decided there about the reunification of Germany. So you can see en toile de fond how it was important for the events in Central Europe. Les commémorations du 30e anniversaire de la fin des régimes communistes en Europe centrale ont toutes ou presque la même totalité grise. Le contraste est saisissant lorsqu'on rejette lorsqu'on projette le film sur le moment 1989 avec ses Berlinois joyeux passant par les ouvertures du mur de Berlin ou ses foules inventives à Prague qui font sonner les clés pour dire aux communistes de s'en aller. Certes, à Varsovie, après la victoire des élections semi-libres du 4 juin, la joie est davantage contenue, mais elle est visible sur les visages. Aujourd'hui, à l'exception de quelques commémorations convenues avec un protocole de routine, les conférences s'interrogent surtout sur les désillusions, sur les rêves trahis, le mauvais choix d'antan, les détournements de la volonté populaire. On peut formuler la thèse que sur 1989 se posait la chape de plomb des périls du présent. Ces phénomènes que sont la montée des narrations populistes adressées au secteur de la population marginalisée par les politiques de transition ou souverainistes face à la construction européenne, les démontages des mécanismes de contrôle démocratique remplacés par des mécanismes de gouvernance autoritaire, peuvent-ils être induits mécaniquement de 1989? Et l'irruption de nouvelles configurations géopolitiques, dépendant de l'imprévisibilité de certaines personnalités politiques corrompues, ayant prise sur les destins du monde, découle-t-elle de la fin de la division en deux blocs idéologiques? On peut ajouter à cela les drastiques inégalités socio-économiques et le flot des migrants sud-nord, comme le mouvement socio-spontané dû aux privations relatives des classes moyennes dans les pays post-industriels. Y aurait-il un lien de cause à effet entre ce qui s'est passé il y a 30 ans et le phénomène qui nous inquiète tant aujourd'hui? La réponse est non, mais. Car si on analyse de près ce qui s'était passé un peu avant 1989 et pendant 1989, on constate qu'à cette période déjà, certaines ressources ont été constituées pour servir les acteurs politiques ultérieurement. Mais tous les malheurs du monde n'incombent certainement pas à 1989. Identifier et localiser ces ressources ne veut pas dire établir des déterminismes, mais simplement voir où certaines actions et comportements intentionnels ont produit des effets imprévisibles. Quelques acteurs principaux de 1989 nous ont mis en garde très tôt, comme par exemple Bronisław Geremek, qui déjà en 1990 a dit, je cite, « La liberté est acquise, la démocratie reste incertaine. » Ou encore ce même Geremek nous dira en 2004, en pastichant une autre sentence célèbre du Premier ministre du Piémont, « Nous avons fait l'Europe,
il reste à faire les Européens. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80? D'abord, les situations sont largement différenciées malgré la très trompeuse et homogénéisante image du bloc soviétique. En Pologne, il y a l'impasse dans l'affrontement entre le pouvoir et la société. Tandis qu'en Hongrie, on vit sur les beaux restes du compromis kadarien, appelé aussi l'archipel du goulash, pendant que le parti communiste se divise et l'opposition cherche sa voie. En revanche, en Tchécoslovaquie, nonobstant la charte 77 et la mobilisation des croyants, on subit une normalisation qui s'essouffle tout en ayant l'air de marcher. Tandis qu'en Bulgarie, on mime le gorbatchevisme de façade avec l'éco-glasnost, alors qu'en Roumanie, se vit encore l'omnipuissant couple Ceausescu. Certes, c'est une image qui ignore des tendances profondes, encore souterraines, mais c'est elle qui domine lorsque l'équipe de Gorbatchev s'évertue à lever l'hypothèque de la doctrine Brejnev. Nous y reviendrons. La pensée paresseuse, qui aime les raccourcis métaphoriques, nous offre une image idyllique des mouvements centrifuges de 1989, comme celle d'une avalanche ou celle d'un jeu de dominos, voire encore celle d'une boule de neige. Pourtant, une des principales conséquences de la diversité des situations internes, héritées de la différenciation progressive des trajectoires nationales, est l'hétérogénéité dans le tempo et dans la dramaturgie des processus de sortie du communisme. Si on devait déjà recourir, pour des raisons pédagogiques, aux métaphores des jeux, on verrait qu'il y a eu d'abord les jeux de poker menteur qui caractérisaient les tâtonnements des négociateurs de la table ronde polonaise ou de la table ronde hongroise, plutôt triangulaire d'ailleurs, dans sa deuxième phase de juin-septembre, puis les jeux d'échecs à la recherche d'échecs mat, et enfin seulement les glissements harmonieux de pièces de domino. Or, pour que cette dernière métaphore soit crédible, il a fallu que l'espace soit ouvert grâce à l'acte symbolique de démolition des frontières, comme entre la Hongrie et l'Autriche, le fait de sectionner les barbelés par Gyula Horn, et surtout les pioches de Berlinois qui ouvrent les murs de Berlin. Aujourd'hui, ce ralenti de l'époque constitue un matériau de distinction narrative pour les compétitions politiques qui opposent le plus souvent les libéraux et les illibéraux. De cette querelle mémorielle sur les tempos des changements sortira le stigmate de l'entente entre les élites rouges et les soi-disant élites roses pour le partage du pouvoir politique et économique de l'après-communisme. Au prix de gommer la complexité et les obstacles rencontrés pendant le déroulement du processus de sortie du communisme. Pour mieux le comprendre, il me faut rappeler ici le contexte de la fin des années 80. Quel est l'horizon des attentes et des anticipations tactiques entre 1985, ou plus exactement 1987 et 1989? D'abord à l'Ouest, où domine la conviction que le communisme a encore une longue durée de vie, malgré l'évidence de bouillonnement interne rapporté par les chercheurs ou les diplomates. Ainsi, le secrétaire d'État, Henry Kissinger, effectue une tournée à l'Est et, arrivé à Moscou, suggère à Gorbatchev de laisser l'Europe centrale se finlandiser, contre la garantie des Américains de ne pas chercher à attirer cette région dans le bloc occidental. Le président Bush senior, durant son voyage en Pologne et en Hongrie, se place intellectuellement dans les scénarios des communistes, voire de Moscou, à savoir, je cite, « le partage bicéphale de pouvoir avec une reconnaissance pour Jaruzelski et les dirigeants hongrois ». Il s'agit de Imre Posgay. Mais paradoxalement, il se méfie du réformateur issu des rangs du Parti socialiste hongrois,
justement ce même Imre Pozhgai, jugé trop aventureux, qui aurait pu contrarier la politique gorbatchevienne. Enfin, François Mitterrand. On a dit de bonnes choses sur la France tout à l'heure, je suis obligé de rectifier un peu cette image. Enfin, François Mitterrand, pourtant auteur de célèbres vœux du 23 décembre 1981 à la nation française, où il dira que, je cite, « tout ce qui sera bon pour sortir de Yalta sera fait », n'envisage l'avenir qu'à petits pas, quitte à choquer les Est-Européens. Ainsi, il fera la malheureuse proposition de la Confédération européenne, englobant la Russie et les États-Unis, provoquant une forte réaction d'un Václav Havel, outré de tant d'incompréhension du rôle que la Russie soviétique vient de jouer dans son pays pendant un demi-siècle. En pleine élection semi-démocratique de juin 1989 en Pologne, que certains analystes considèrent comme le point tournant de la révolution anti-soviétique, le président français se promènera à Westerplatte avec le général Jaruzelski, considérant que c'est à ce dernier de mener le jeu. Tout au long des années 80, Mitterrand pensera plus crédible la voie kadarienne de l'évolution en Europe centrale que celle proposée par le mouvement d'opposition démocratique. Il se méfie des élans révolutionnaires des clandestins de Solidarność. L'anecdote veut que lorsque János Kádár est venu en visite officielle en France, à l'invitation du président Giscard d'Estaing, au lieu de se rendre, comme le voulait la routine des dirigeants du bloc communiste, au siège du Parti communiste, il rendra visite au secrétaire du Parti socialiste, Square Malesherbes. Mitterrand en conçoit non seulement une dette, mais aussi la conviction que le communisme doit évoluer selon la voie choisie par les dirigeants hongrois. Helmut Schmidt, comme Helmut Kohl d'ailleurs, appelleront à la modération, craignant le coup d'arrêt de la politique de rapprochement entre les deux Allemagnes. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples du conservatisme géopolitique de l'époque des dirigeants occidentaux, effrayés de la possibilité des conséquences dramatiques de l'accélération révolutionnaire. Mais même chez certains intellectuels, connus pour leur engagement anticommuniste, le pessimisme est des règles. Pour anecdote, je citerai ici Jean-François Revel, un intellectuel hélas décédé, mais très connu en France, qui nous déprima en disant dans un best-seller « Comment les démocraties finissent » que, je cite, « la démocratie aura été dans l'histoire un accident, une brève parenthèse qui, sous nos yeux, se referme. » Certes, aujourd'hui, il serait davantage entendu. À l'Est, les incertitudes dominent également. Les acteurs centre-est-européens scrutent les évolutions du gorbatchevisme, souvent avec scepticisme. Rares sont ceux qui croient qu'il s'agit d'un authentique tournant dans la politique étrangère soviétique. Et c'est malgré toute une théâtralisation de la stratégie de communication pratiquée par l'épicentre de l'Empire, dont la pièce maîtresse est constituée par des voyages du leader soviétique à Belgrade, à Prague, à Varsovie, ou encore pour le 40e anniversaire de la naissance de la RDA. Les émissaires du Kremlin ont pour tâche d'ouvrir les espaces de plus grande fluidité à l'activité des forces centrifuges pour délester précisément l'Empire des charges qui freinent la modernisation, pour ne pas dire qui empêchent le sauvetage du communisme international. C'est le rôle d'un Bogomolov ou d'un Jagodowski. Ce dernier dira dans une interview à Tokyo en février 1988, en commentant les événements du printemps de Prague en 1968, je cite, « qu'aucun parti ne peut s'arroger le droit d'appeler à l'aide quiconque pour s'opposer à une décision prise par un autre pays. Qui veut l'entendre comprend qu'il s'agit d'actes de décès de la doctrine Brejnev. » C'est aussi l'époque où la sociotechnique et l'expertise font une irruption
dans les choix des politiciens réformistes de Moscou, Budapest ou Varsovie. L'anecdote que je vais raconter brièvement à la demande du directeur du CEFRES illustre les limites du projet gorbatchevien et montre combien l'activité créatrice sous l'égide de Gorbatchev pour téléguider les changements ne pouvait plus stopper la tendance lourde à l'éclatement du régime communiste. En octobre 1981, mon collègue d'origine tchèque, Zdeněk Stříbrka, et moi-même, nous bénéficions d'une convention d'échange entre le CNRS et l'Académie des sciences de l'Union soviétique pour donner quelques conférences à Moscou. Mais nous partons avec en poche une lettre d'introduction d'un leader du printemps de Prague exilé à Innsbruck, Zdeněk Mlynář, qui a été dans les années 50 codisciple de Gorbatchev à l'école supérieure du parti. Cette lettre nous ouvre l'accès au cercle des experts autour d'Alexandre Yakovlev. La tâche principale de ce dernier consiste à scénariser les évolutions des pays satellites de l'Europe centrale. Nous rencontrons dans cette ruche des scénaristes politiques, entre autres Igor Klyamkin, Andronik Migranian, Vyacheslav Dashichev, Abram Tsumov. Abram Tsumov, par exemple, est en charge de scénariser l'évolution est-allemande. Il nous renseigne sur ce que dira le lendemain Mikhail Gorbatchev à l'oreille de Honecker lors du défilé commémoratif du 40e anniversaire de la RDA. Nous rencontrons aussi Marina Silvanskaya Pavlovna, connue à Prague pour y avoir travaillé à la rédaction de la revue du Cominform dans les années 60, fervente admiratrice de l'esprit du printemps de Prague et de ses leaders. Elle sera en charge du scénario tchèque. Elle nous raconte qu'une interview a été faite avec Alexandre Dubček, encore en résidence surveillée, filmée discrètement à Bratislava à l'insu de camarades tchèques pour la très populaire émission de Leningrad, La Cinquième Roue. Ce film doit préparer l'opinion soviétique à un acte incroyable, le retour de Dubček à la tête de l'État tchécoslovaque, avec la bénédiction de Gorbatchev, qui, dit-on, hésite entre son codisciple Mlynář et Dubček. Malgré un passage décevant à Prague en 1987, Gorbatchev souhaite les changements, ce qu'il prouve en répondant à la question d'un journaliste, je cite, « Quelle différence y a-t-il entre la perestroïka et le printemps de Prague ?» Il répond « Seulement 20 ans ». On connaît la suite. Les scénarios gorbatcheviens ne se réalisent pas. C'est Havel qui deviendra le premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste. Dubček devait se contenter de la présidence de l'Assemblée fédérale. Le premier gouvernement sera pourtant dirigé par Čalfa, membre du Parti communiste encore la veille pratiquement de sa nomination. Le passage de régime n'obéira pas au scénario initial. Des entretiens que nous avons pu avoir, il découlait que le scénario général du leader soviétique était le partage du pouvoir, aux oppositions la gestion de la crise économique et aux communistes le poste du président au pouvoir comparable à celui du président français de la 5e République. Cela ne marchera que provisoirement dans trois cas, pour des mandats très courts, en Pologne avec le président, le général Jaruzelski, en URSS avec Gorbatchev, on sait ce qu'on est devenu, et en Bulgarie avec Peter Mladenov. La plupart de ces projets échouent, mais l'effervescence des scénaristes, dont les scénarios circulent chez les réformateurs dans la plupart des partis communistes chancelants, mais encore au pouvoir, accrédite, pour qui veulent savoir, l'hypothèse de la fin de régime. Une des conséquences majeures de ce qui s'était joué en 1989 concerne les structures de la légitimité révolutionnaire et post-révolutionnaire. Elles ont été d'entrée de jeu fragiles et vulnérables, produisant des effets contestables et autorisant ainsi des lectures en demi-teinte, voire antagoniques. Les jeux de légitimation s'opèrent autour des différentes lectures. Là, je fais allusion plutôt à des pays qui ont eu réellement des tables rondes,
On sait que, par exemple, en Tchécoslovaquie, ce n'était pas une table ronde, même si ça portait ce nom mobilier, mais un simple banc d'école, où on a tout simplement éliminé quelques députés communistes de l'Assemblée pour pouvoir voter pour la présidence de la République, pour Havel. Les tables rondes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais la manière dont s'opère le transfert de pouvoir, que ce soit via les négociations autour des tables rondes ou dans les coulisses, ont le même effet en termes de légitimation révolutionnaire et post-révolutionnaire, effet de brouiller la distribution des cartes. Prenons cependant le cas polonais hongrois, où le signifiant, c'est-à-dire la métaphore mobilière de la table ronde, recouvre de plus près le signifié, c'est-à-dire les résultats des négociations. Il y aura une véritable compétition autour des bénéfices en légitimité entre les deux côtés de la table. Par exemple, pour le 10e anniversaire de la table ronde en Pologne, c'est le général Kiszczak qui exhibe, le général Kiszczak qui est de côté du pouvoir communiste, c'est lui qui a organisé en réalité la table ronde, exhibe à la télévision un film tourné à l'insu des participants qui le montre dans des postes de connivence comme pour compromettre les participants. Les seules festivités sont celles organisées par le président Kwaśniewski, issu du Parti communiste, au Palais Namiestnikowski, qui est le siège de la présidence de la République de Pologne, avec la reconstruction de la table ronde, 20 000 visiteurs et signature d'un album de photos choisi de façon partisane. À l'opposé des scènes partisanes, la table ronde équivaut à l'acte fondateur de la révolution trahie. Qu'est-ce qui s'est caché sous la table? On distingue trois catégories d'attitudes. Les nostalgiques, ce sont ceux pour qui la table ronde offre une légitimité, les droits d'auteur sur les changements. Ça leur permet une connivence et une dédiabolisation, s'il s'agit bien sûr des communistes. C'est le paradis de la réconciliation. On y trouve les ex-communistes réplâtrés en néo-sociodémocrates et les libéraux de l'Union pour la liberté. Les suspicieux, c'est la deuxième catégorie, c'est les exclus qui cultivent la mythologie de la trahison. Donc, qu'est-ce qui s'est caché sous la table ronde? Qui pratique la théorie du complot? Qui parle du partage des bénéfices entre les élites? Qui parle explicitement de la révolution trahie? Il y a dans ce groupe aussi des représentants de la table ronde hongroise, comme Janos Kis, qui désignera d'ailleurs comme péché originel de la table hongroise le fait qu'elle ne peut pas jouer le rôle de source de légitimité. Janos Kis dira, je cite, « La véritable maladie organique de la table ronde hongroise était que derrière la salle secrète se cachait une salle encore plus secrète où les représentants du Parti socialiste ouvrier hongrois menaient des fronts de tractation avec un groupe restreint de l'opposition, essentiellement le Forum démocratique. On assiste déjà à une compétition interpartisane entre le Parti des démocrates libres d'un côté et le Parti de petits propriétaires de Janos Antal, le premier ministre non communiste en Hongrie. Les outsiders, c'est la troisième catégorie, ceux qui y participent, mais n'en ont pas véritablement bénéficié. C'est le cas des frères Kaczyński en Pologne. Ils diront, ayant participé à une partie en tout cas des négociations, et notamment à la première négociation qui était complètement secrète et qui a préparé la mise en scène de la table ronde, ils diront, je cite, « à Magdalenka, il s'agissait de légaliser solidarité. Il n'y a pas eu d'entente secrète pour rendre le pouvoir politique à l'opposition contre le maintien du pouvoir économique par les communistes. En revanche, se produit alors une fraternisation de l'opposition avec les représentants du régime. Les communistes l'ont rentabilisé ultérieurement. » Quels étaient les gains immédiats des ex-communistes ? Les communistes obtiennent immédiatement, je parle de la Pologne évidemment, les cas de figure de la Tchécoslovaquie s'y prêtent nettement moins. Les communistes obtiennent immédiatement des gains importants, évitement d'une condamnation directe parce que l'opposition s'autolimite.
et n'ose pas appeler un chat un chat. La critique du régime devait éviter que l'on s'en prenne aux personnes physiques, c'est-à-dire les communistes. Et le régime lui-même devait être critiqué de façon elliptique. Je donne deux exemples. 4 jours après la session d'ouverture, la partie gouvernementale veut mettre au pied du mur Solidarność. Et on pose la question, que voulez-vous, le capitalisme ou le socialisme? Un des leaders de l'opposition, Mazowiecki, aussi le premier ministre non communiste en Pologne, répondra, je ne sais pas si en Suède il y a le capitalisme et au Cambodge le socialisme. Pour moi, la ligne de partage la plus importante passe entre totalitarisme et l'antitotalitarisme. Et Havel, aussi dans une rencontre avec les communistes, dira, je le cite, « La révolte de novembre était dirigée contre l'ordre totalitaire et pas contre les communistes. » C'est pendant cette période que le communisme échappera à une condamnation globale et les communistes négociateurs établiront la différence entre eux, les acteurs de table ronde, et les staliniens abstraits. Pour les ex-communistes polonais et hongrois engagés dans la conversion de leur parti, les tables rondes sont une chance historique à double titre. D'une part, les oppositions leur donnent l'opportunité de négocier une reddition contrôlée et partielle. D'autre part, elles sont pour les communistes une occasion de manifester implicitement une sorte d'acte de confession, de repentance, de réclamer, voire imposer, leur réhabilitation patriotique, condition de retrouvailles par l'intermédiaire de leurs interlocuteurs avec leur communauté nationale. Ils cessaient ainsi d'être les étrangers à leur nation, socialement haïs et politiquement méprisés. Pour la première fois, on leur souriait sincèrement, on les tapotait familièrement sur l'épaule, on acceptait de se faire photographier en leur compagnie. Cela créa des liens psychologiques, et il n'est pas étonnant qu'ils soient nostalgiques de ces moments de fraternisation, minorés dès les premières victoires électorales anticommunistes, dénigrés aussitôt la chute effective de l'Empire. Le retour d'une dynamique « eux-nous » à la faveur de vagues simultanées des élections et des campagnes décommunisatrices a renforcé chez eux le mythe d'une table unificatrice et harmonieuse. Alexander Kwaśniewski, qui fut un négociateur actif de la partie gouvernementale, futur président de la République de Pologne, parlera même d'une chance perdue. Après 1989, progressivement s'opère sur ce terroir fertile un glissement du juridique de la justice transitionnelle inassouvie, les ratés de l'illustration et de la décommunisation sont nombreux, vers le symbolique et le mémoriel. Les clivages concernant l'interprétation de 1989 se durcira autour du thème de l'impunité des crimes communistes. Juste avant de conclure, quelques mots sur les désarrois sémantiques comme toile de fond de la vulnérabilité des structures de légitimité révolutionnaire en 1989. On observe que l'absence du consensus quant à la qualification de ce qui se jouait en 1989 a eu pour effet de faciliter la manipulation historique. Il suffit de regarder les effets politiques produits par les tentatives de délégitimation de 1989 en Europe centrale. Cette étrange révolution et l'illisibilité de son message ont provoqué un véritable concours de beauté des labels hybrides. Le concept le plus connu fut celui de Timothy Gartonash, la révolution, mais aussi d'une sociologue polonaise, Jadwiga Staniszkis, la révolution discrète, une métaphore inspirée par les statistiques où on parle de la courbe discrète qui tantôt apparaît, tantôt disparaît. Enfin, la révolution négociée de Laszlo Brust, la révolution sans barricade de François Feiteux, et j'en passe. Cette illisibilité a ouvert la voie non seulement au scepticisme académique, mais aussi et plus encore à une certaine catégorie d'acteurs politiques
au discours démagogique qui parle d'une révolution inachevée, d'une révolution trahie, et certains regrettent même que le sang n'ait pas coulé et qui propose une deuxième étape révolutionnaire avec des potences pour ainsi apposer définitivement le sceau de la rupture révolutionnaire. Ce désarroi accentue encore le paradoxe, visible surtout en Pologne, de l'inversion non annoncée des vainqueurs théoriques qui devaient être les ouvriers membres de Solidarność en paria des usines qui ferment en vertu de la politique de restructuration et d'austérité, tandis que les vaincus théoriques, qu'auraient dû être les membres de la nomenclatura du régime communiste, profitent du capitalisme naissant et échappent à la justice transitionnelle. C'est un formidable levier pour la propagande des partis nationalistes conservateurs comme PiS ou Fidesz. Je rappelle la même sentence qu'a rappelé le ministre des Affaires étrangères français, celle de Albert Camus. Il avait tout à fait raison en disant que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. En place des conclusions mises en perspective longue, cependant, c'est au cours de la période qui suivra, avec son cortège de transformations sociales et économiques, que s'accumuleront les principales hypothèques ayant leur source en 1989. La victoire massive de la pensée libérale en politique économique et dans les politiques sociales, avec des personnalités symboliques comme l'échec Balcerowicz en Pologne, avec en toile de fond le stigmate de la main de l'étranger, symbolisé par les économistes libéraux Jeffrey Sachs et David Lipton, ouvrira un boulevard au discours critique social visant des vrais problèmes, mais facilement instrumentalisés par les populistes. La survalorisation du retour à l'Europe, comme l'orientation à marche forcée vers l'avenir, aura pour conséquence de faire grandir un autre thème déficitaire, qui permettra de construire une narration nationaliste et souverainiste eurosceptique. Elle s'appuiera efficacement sur le désir d'une importante fraction de la population, spoliée de son histoire et sa mémoire, de la renationalisation du discours historique national avec ses vraies ou fausses légendes héroïques. Le mélange de ces hypothèques, habilement instrumentalisées, offrira de beaux jours aux partisans de la rupture conservatrice et autoritaire. Merci. If there is no question, I wanted to ask whether there is some kind of link between what you've presented, I mean the typology of agents and typology of expectations 1989 and contemporary disillusions. Yeah, it is. We can observe day after day, you know, yeah, in Poland or in Hungary, but also in Romania, that the historical moment of the rupture of the regime is still playing an important role in the narratives and in the political competitions, of course. And if you look at the strategy of the Polish populist party, we can say, of course with some reserves concerning this concept, because it is like what we call in French concept valise. We can put many things inside of that, but it's true that, that there is some specific narrative and followed of course by the mechanism of authoritarian power. And you can see that one of the important topics is the interpretation of the round table talks. And the brother Kaczyński's, especially Jarosław Kaczyński, is using, especially in the first period, this topic in the competition against his adversaries. Okay, thank you. But it's true also for Viktor Orban and his narrative, of course. That there is a link between 1989 exactly. And now. Yes. Thank you. Thank you very much. I was very interested in what you said, George. I wanted to come back to the genesis of the demise of communism. You said that there were some expectations from the Communist Party, from the reformers in Soviet Union around Gorbachev, that some expectations did end in something different in terms of
the issues, the effects of their strategies were sometimes efficient, sometimes not. You quoted also the role of France at this very moment, so it was very interesting to meet and to know about all these details. And it was very interesting also because you stressed on your own experience, because you were in 1989 all around, so that's very impressive. But in the same time, how would you, not theorize, but how would you, transform these elements in a single narrative? Would you say that there were a lot of influences from Soviet Union and other countries in what happened in Central Europe? Would you say that it was at first national experience, national movements, national processes? How would you articulate or combine the transnational aspect dimension and the national one? I think that one of the fashion to answer to your question is to say that there was a progressive development of events. And in the first stage, the actors of the change, they were thinking about strongly about the Russian reaction, what will happen. So they self-limited them. And this is, you know, this very famous sentence, in Poland it was 10 years in, and so on. And when Václav Havel said that to Jacek Kuroń, for instance, Jacek Kuroń answered him very strongly because he was disappointed by this kind of evaluation of Poland's role in the evolution. He said that, but we cannot construct the civil society in 10 days. This is one of the answers, that if you want to have a homogeneous explanation of this period, you have to see how the Soviet factor was day by day, step by step, retired from the process. Because there was the test, and without this, the signs sent around the Poland, then to, first to Hungary, then to other countries, that Russian really accept the idea that the doctrine, or Brezhnev doctrine, is dead. This is one of possible topic. Another one is, of course, the question of collective mobilization. But I think that because of this very, how you say, discrete evolution from the beginning, the mobilization start later. And you can, in a certain sense, say that if we have to consider what was the revolution, in the sense very classic, so masses in the streets and so on, it was also something very chronological because of this postponed effect of ODAS, you know, collective activity, which was not possible in Poland, as you know very well. In the beginning, but it was possible in Czech Republic for some specific reason. But there is also another question, which is the question of hazard factor. It was, for instance, the announcement in Czechoslovakia about the false news, the fakes, about the student who was killed. So it provoked the reaction. And of course, the circulation of information was very wide at that moment. So in the fake, start the mobilization. So you can also analyze that through this kind of very small stimulating factors. I am not sure that I answer correctly to your question, but this is my opinion. Thank you. I'd like to ask you a bit, being a bit provocative. This conference title is Hopes and Disillusion After Revolution, a Global Approach. Let's switch the image, the picture of what has happened 30 years ago into France and public opinion about what were the perceptions of the French
about what has happened here in Poland, in Hungary, and where there are some hopes, and are there disillusions in France towards the events we are talking about? Thank you for this question. You have to know that the French public opinion, very general term, was mobilized around the birth of solidarity, Solidarność. And it was a huge movement in France, started from the controversy with the government, because the French Minister of Foreign Affairs at that time, Claude Cheysson, told that during the announcement of the martial law in Poland, that of course this is an internal problem of Poland and we don't have to intervene there. So it provoked the contrary, the popular, very strong reaction with help, massive movement of help to the underground solidarity and in general to Poland at that time. For this reason, Mitterrand, who was, as we know, very opportunistic politician, immediately understood the beneficiary things that he can obtain from that, and he did this speech, very well-known speech, in the Christmas wishes to the French population, telling that this is the first step to the end of Yalta. On the government side, during this period to 89, there was an interesting some behaviors. For instance, French diplomacy realized that the normalization in Poland could not be the same that the normalization in Czechoslovakia or in Hungary. So they decide to have a more proactive policy, and they start with this notion of double diplomacy. And the double diplomacy consists in the fact, but you just had this example quoted by the French Minister of Foreign Affairs, to shake the hands of the communist, of course, and in the same time to have the breakfast with the dissent. And it was the case in Poland during the 80s, that the French diplomacy clearly distributed their action between two sides. When arrived 89, the population was enthusiastic for that, not the politicians. For instance, but it is also the Margaret Thatcher attitude, not only Mitterrand, they were afraid by the consequences, especially by the reunification of Germany. There was still this stereotype of the strong Germany, military Germany. They wanted to avoid this kind of situation that the powerful Germany will be again the actor in the political scene. Just for the anecdote, it was the reason that Mitterrand insist very strongly to deal first, before the reunification, with the agreement from Western German about the Polish-German frontier and the contribution of French government here. At this point was very important. The French former Minister of Foreign Affairs, Dumas, was associate to the negotiation and asked to associate Polish government to the negotiation, and they obtain the official recognition of this border. But in the same time, don't forget that socialists were in the power in France. And for instance, but it was something very ironic, the minister or secretary of state of planification, French planification, which is not exactly the same that Soviet planification, decided to do the turnover, turn of
of all these countries and explain them that they have to save something from the plane. Because France can propose the formula which is rational, not like a Soviet planification. And the minister, his name was Lionel Stolleru, he did the visit in all cabinets of the new governments, non-communist governments, explaining that. And I have the privilege to be inside of the delegation, and in the same time I had a lot of colleagues on the other side, and I have seen the ironic sourire when Stolleru left the room. So there was this kind of double behavior, and what I would like to underline that it was really, the French option was, be careful, don't go too fastly. There was but in the same time, sorry, for the good side of the French governance, we have to say that they create, when they had a confirmation that they are not radicals, but the normal people, they immediately start to organize some funding to help the transition. In France, there was the moment when they organized what they call the mission Miseco, which was a specific mission to offer to Poland and Hungary at that time money for the reconstruction. And also they play an important role in the construction of the bank, you know, of the reconstruction, La Baird, how is it in English, I don't remember, but never mind. And the first president was French, of course. By the way, he asked that the language will be also French, but it was not very popular, but he proposed the real help to these countries. And also French functionaries, like Lamoureux, for instance, it was under Jacques Delors, proposed the organization of Programme Phare, which was really important for the help, because the amounts of money were very important at that time to the reconstruction of the economy and to help to end with the Soviet economy. So there are, you see, this balance between two attitudes. Thank you very much. It would be, of course, fantastic if we have more time for the debate. Unfortunately, we have run out of time.